J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec Nathan où il va nous montrer ses serpents et la vie d'un serpent. Une très bonne vidéo. Ciao. Alors Nathan, qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes serpents? On utilise un terrarium tapis chauffant, donc en fait pour chauffer le terrarium. Donc ils sont à 30 degrés le jour et 25 la nuit. J'ai deux Pantherophis guttatus, serpent des blés. Non mais faut savoir que là j'ai un serpent là qui est pointé là à 2 cm de moi là, vas-y. Ah c'est doux. Un peu comme du bon sopalin. Et c'est quoi leur nom? Bruno, qui veut dire rêve en espagnol. L'autre elle s'appelle Nero, ça veut dire noir en italien. Donc ça c'est le mâle. Ça c'est le mâle. Ça en fait, combien? Ce couple je l'ai eu à 120. Et comment tu fais pour faire des bébés serpents? Parce que là c'est un couple, du coup tu pourras faire des bébés serpents. Ouais. Et comment, tu vas... comment ça va se passer? Combien de temps ça a duré quoi? Moi, ma femelle, elle fait que 10 grammes. Donc il faut atteindre les 350 grammes. Donc ça fait quel âge à peu près? À peu près aux 3 ans. 3 ans. Donc dans 2 ans je pourrais les reproduire. Sauf si je les nourris bien et qu'elle a atteint vraiment un bon poids. Avant les 3 ans. Mais sinon ils ont vraiment le même âge. Là ça fait à peu près un petit 50 cm. Ça peut atteindre 1m20, 1m40 adulte. Tu les nourris avec quoi? C'est ça le plus des important. Souris. Mais avant on va essayer de le manipuler sans qu'il meure. Parce qu'ils sont pas venimeux, tu l'as dit. Non. Donc il n'y a pas de risque. Non. Donc là Nathan il va nous expliquer comment ça procède le nourrissage. Donc là on va le faire juste là. Donc en fait moi je donne du mort pour éviter la souffrance animale. Du mort c'est quoi du mort? Bah je donne des souris congelées. Je les décongèle à l'eau avant. Donc là je lui donne, pour la petite je lui en donne deux comme ça. Mmh. Et pour le mâle je lui donne la grosse Et comment ça va se procéder, genre comment elle va le manger? Bah elle fait pas de constriction. Donc ça veut dire qu'elle va pas s'entourer et l'étouffer parce qu'elle est déjà morte. Mmh. Mais lui comme ce chien d'éleveur il était habitué aux morts, aux vivants, il va constricter. Ok, donc il va l'étouffer avant. Voilà. Alors tu vas les nourrir et ils vont pas manger pendant combien de temps? Je les nourris, celle-là je la nourris tous les 4 jours. Mmh. Et lui une fois par semaine. Ok. C'est doux. Ouais, ouais c'est doux. Vas-y, je peux le toucher? Ah, arrête de crier. Ah c'est quoi cette peau? Ah pourquoi c'est doux comme ça? Et je crois que c'est des... Vas-y je le fais juste pour vous. Si je meurs je veux 1 million d'abonnés. Vas-y. Bah un peu plus. Voilà, lâchez pose bleu. Lâchez pose bleu. Je vais l'appeler Luffy. Il a une tête à s'appeler Luffy. Voilà. Là je porte le serpent. Je suis actuellement en train de le porter. Ouais, en vrai c'est léger hein. En vrai c'est léger la vérité. Bah lui il fait 55 grammes. Gain. Là t'es en mode concentré. Yeah. Attends, on va faire la miniature. Attends, on va faire la miniature. Oh là là, mec, ça fait flipper. Ouais, il commence à rouler sa queue. Hein. Donc, et lui, c'est un anéri 100% sans écailles. Mais attends, lui, ça a de la force là. C'est Nera. Non, Sueño. Sueño, mon petit pote. Ouais. Et voilà, tout le monde, déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à remercier Nathan qui nous a permis de pouvoir tourner cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Malheureusement, on n'a pas pu procéder au nourrissage durant la vidéo car tout simplement les serpents n'ont pas voulu manger. Voilà, ça arrive des fois. Je vous mets le lien de la chaîne de Nathan. Allez, on se lance un petit défi. S'il atteint les abonnés sur sa chaîne YouTube, on refait une vidéo ensemble. Voilà, je vous mets tous les réseaux sociaux de Jeanne et Nathan dans la description. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon appétit, tout ce que vous voulez, une très bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos qui sont sur ma chaîne, voilà, je vous en mets une à droite et une à gauche. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ciao tout le monde, et encore merci à toutes les personnes qui sont présentes sur ma chaîne. Ciao tout le monde. Dame tu cosita. Dame tu cosita.